la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Par musicien, merci ceux qui nous conduisent à nous dans la louange, l'adoration, ceux qui font nous vers en prière, et ceux qui nous conduisent à Dieu bénisse autres. C'est une grâce. Amen. Amen. Soyez la bienvenue ce soir, on passe directement à la parole de Dieu. Waouh, les gars, les vidéos. Amen. Et nous tenons l'étude qui nous fait faire du pardon. Nous tenons l'étude de Guiding Lights et nous finis. Pour cette information, il arrive chapitre 10. Les temps passent. Amen. Et nous t'y faire cela, nous expliquons un petit peu et puis nous passons directement à la parole de Dieu parce que j'ai des choses à expliquer ce soir. Et aujourd'hui, c'est le dernier chapitre de Guiding Lights. Nous finis mettre la parole en premier. Ce n'est pas un livre qui est en premier, c'est la parole. Amen. Et qui fait nous finis enseigner pendant 10 semaines pour nous capables de préparer l'église pour un grand travail d'évangélisation qui pour venir. Amen. Amen. Et quand nous vous faisons le jour, que vous m'avez dit quelque part, nous vous rassemblez l'église, nous vous pensez quand tout le monde sera même dimanche, nous vous mettre les cœurs ensemble pour prier, pour relâcher cette release, comme Jésus dit vers son disciple, qui relâche dans le ministère pour aller dans tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et ce qui nous vous fait aller un dimanche quand le temps est convenu, mais il est important de savoir qui nous finit faire l'étude. Amen. Et qui point de bénédiction quand je vois l'autre terrain de culture, je vous trouvez comment aller efficace pour cette capacité. Amen. Amen. Le désir de notre cœur, c'est qu'ils soient capables d'être bons serviteurs et servantes du Seigneur. Amen. Et de réussir dans le travail qui Dieu vient envoyer. Amen. Et de comment aller faire gagner d'âme. Non, je ne fais rien. Qu'est-ce qui t'a dit que tu es un gamin, moi? Un gagnant d'âme, toi. Et tu dis, oui, tu es un gagnant d'âme, toi. C'est un travail pour mon Dieu. Amen. Amen. Et tu as dit, dodo, baba, fini. Tu as dit, dodo, baba, fini. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous passons directement à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le dernier chapitre, je désinconne le titre. Un petit moment, nous mettons le titre. Mais on va confesser comme d'habitude, Esaïe. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Esaïe 62 et 63. Amen. Pas oublier ce qui se fait trapper dans votre lamin, c'est Dieu lui-même. Je t'explique ça la semaine dernière. Amen. Pas esgéti comme un livre, comme l'écriture. Mais c'est la puissance de Dieu faite chair qui vient révéler lui-même à travers de cela. Amen. Et nous trouvons une source d'inspiration, une source de vie là-dedans. Et il pourrait nous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Amen. Le livre d'Esaïe 61, le verset 1 et Esaïe 62. On peut faire la lecture? Amen. Le prêt? Amen. 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Esaïe 62, le verset 1. 1, 2, 3. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce qu'on salue, ce salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Tu dis amen. Amen. Nous restons debout. Nous mettons un texte de base du livre d'Ecclésiaste. Amen. Le livre de Psaume, Proverbe, Ecclésiaste. Pour toute information, si nous donnerions de l'enseignement Ecclésiaste, c'est le mot Ecclésiaste veut dire et teacher. Ok. Amen. Le professeur. C'est a été écrit par Salomon et un de les rois qui était plus et sage et intelligent de toute la surface de la terre. Amen. C'est un ticket qui n'est pas une roue de la richesse, mais une roue de la sagesse. Amen. Guetta m'a dit par roue de richesse, roue de sagesse. Chrétien de santé, par roue de richesse, roue de sagesse. Amen. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 et le verset 6. Et puis on va rendre grâce à Dieu. Jette ton pain sur la face des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Oh là là. Nous te disons, jette ton pain. Sur la face des eaux, et car avec le temps, tu le trouveras. Donne un an, une part à sept et même à huit, quand tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Le verset 6, aussi important que le verset 1er. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne te laisse pas reposer ta main. Quand tu ne sais point ce qui réussira, celui-ci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Nous te dire, dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, sème ta semence. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour la parole. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour louer toi, papa. Pour dire toi, merci pour ton amour, de la grâce, de la paix, de la joie. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole
Aide-nous, Seigneur Dieu, Papa, à diriger, Seigneur Dieu, Papa, ta parole dans le cœur. Seigneur, vous glorifiez toi. Personne, Papa, un homme, Papa, mais aujourd'hui que ta parole est prêchée dans la liberté de Jésus-Christ. Holy Spirit of God, without you we are nothing. I welcome you, Holy Spirit. La première personne, si la petite, déjà là, avant cette première personne, quand tu te places aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Amen. Amen. Nous parlons bref, court, direct ce soir, mais c'est le dernier chapitre. Amen. Mais porte attention. Et ce chapitre-là, il faut connecter avec ce qu'il t'a expliqué semaine dernière. Semaine dernière, qu'il t'a expliqué que la parole est éternelle. Tu dis la parole est éternelle. La parole. Cette Bible qui est dans cette lame, c'est la parole de Dieu. Inspirée, soufflée, qui finit d'écrire. Et chaque mot dans sa Bible-là est dans son importance. Amen. Et quand on confesse sa parole-là dans où la vie, dans la vie des autres, divine à l'existence. Nous dit la parole est éternelle. La semaine dernière, nous disions que nous tous nous finissons comprendre à la fin, vous capable d'y aller maintenant, que c'est Jésus-Christ, c'est lui-même la parole. Parce que la Bible nous dit, il est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la parole, nous disions la semaine dernière, il m'a dit mal semence. Tu dis semence. Le parabole du semeur, il dit comme ça, le semeur sorti pour s'aimer. Qui n'est pas, il prend mal la graine, ils étaient. La graine vient pousser, mais il y a ma circonstance qui parle vient pousser. Nous ne pouvons pas mettre ça, mais nous comprenons que la Bible veut dire des paroles qui nous peuvent semer. Nous pouvons dire, la graine, ma semence, c'est Dieu des semences. Et nous vous connecter aujourd'hui, mais c'est moi qui vous demande, aide-moi à tirer, vous avez dit, aide-moi à tirer. Chaque fois qu'il ne peut dire pas décourager, de un camarade derrière toi, devant, à côté de toi, de ne pas décourager. Oui. Vous comprenez pas, par contre. Vous pourrez dire. Quand nous vous dire pas décourager, de quelqu'un qui gagne devant, derrière, à côté de toi, c'est moi. Pas décourager, pas décourager, pas décourager. Nous avons fait dire? Oui. Nous avons mettre en pratique là? Oui. Quelqu'un qui gagne, de dire pas décourager. Dis-moi, vous avez dit, c'est mon ami. Derrière, devant, pas derrière, devant, à cause d'en droit. Okay. Non, fils, là, ça, fils, qu'est-ce que tu veux dire? Amen. Dieu nous garde nous actifs ce soir. Amen. Dieu nous camarade pas décourager. Pas décourager. Non, mais je me dois bien rien que de faire. Non, non, devant, cause droite. Allez, Dieu va décourager. Pas décourager. Amen. Nous restons actifs. Mais là, il est bon. Là, moi, je trouve comme ça, je vous dis là. Allez, vous me permettez tout, comme m'a dit mes enfants, comme m'a dit mes amis, super machine, nous sommes inscrits là. Nous avons dit tout inscrit. Amen. Beaucoup de fois, nous partageons la parole, moi, direct sur le point que nous partageons aujourd'hui. Nous prions pour un qui gagne. Donne-moi bien. Beaucoup de fois, c'est une réalité. C'est une réalité. Dis-moi une réunion. Moque-nous. Nous café passé, nous prenons la Bible dans la main, ta mission, ta ici, ta là-bas, nous habitons pour ça. Et là, des fois, nous sommes capables d'être rejetés quand nous devons porter à sa parole. Nous sommes même, nous pouvons causer quelqu'un, nous disons que ça ne m'a pas envie de vous dire, dis-moi, moi, allez. Et là, des fois, nous sommes capables de nous rejeter avec ma menace. Et nous sommes capables de rentrer dans la carte pour une sable car nous pouvons venir. Vous pouvez comprendre, moi. Mais dans la sagesse, nous pouvons en saint, quand il arrive une circonstance pareille, pas baisser. Retourner, reculer. Amen. Ok? Nous partager. Mais il y en a deux fois, je connais qui, il y en a deux fois, quand nous portons sa parole, beaucoup disent pas prendre en considération. Ah ouais, 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 Jésus, oui, oui, oui. Là, nous sentons-nous quelque part découragés. Amen. Nous vous causons ce sujet-là, vous dites, le titre de notre message vous dit, c'est pas découragé. Amen. Do not be discouraged, le chapitre 10. Mais seulement, on connaît quand livré, quand les guerres font mal, quand nous pas découragés, il y a des fois facile de dire, quand nous portons avec quelqu'un qui proche avec nous. Vous pouvez partager d'un problème difficile, mais on vit de dire quelqu'un qui proche avec vous, ou on vit de donner Jésus-Christ, mais pas écouter. Vous. Là, vous sentez moi découragé. Mais je vous dis, mon envie de Jésus quelque part, dire pas découragé. Pas découragé. Vous avez le droit, des mois derrière, allez, dire pas découragé. Que n'arrivons là. Pas découragé. Amen. Donne-moi bien, m'explique ce. Suive-moi bien, mon partage ça avec eux. Je veux bien comprendre qui vous dit ça. Le livre d'Ecclésiastes, chapitre 1er, vous faire un petit science avec eux. Le livre d'Ecclésiastes, chapitre 1er, le verset 11, Ecclésiastes 11, verset 1. Il dit comme cela, jette ton pain à la surface de l'eau. Avec l'étoile, il pourrait dire, ouvrir toi. Qui fait ça, le monde, vous dit ça? Et quelle époque ça, le monde, dit ça? Avant même la science développée. Vous êtes la même? Et pour moi, donne-moi bien, vous expliquez ça. Je pense que vous comprenez, vous expliquez ça, je vous dis, je vous comprends. Mon père, il me dit, ben, vous êtes dans la rivière. Il peut descendre, il va dans la mer. Il peut désintégrer. Quand il descend, il rentre dans la mer, quand le soleil peut sauver ça des deux là. De là pour une vapeur. Je tout connais, hein, avec la science. L'air là, la brise soufflée, il retourne au plateau central. Il condensait, la pluie là retombait, il remine dans la rivière. Amen. Puis il devient rond.
Je vais donc poser une question, pourquoi la Terre ronde? Mon nom est Jésus. Je vais partir quand même imaginer la Terre carrée. Je vais prendre l'exemple. Qui fait l'arbre puisque les roues de lion? Qui fait où les doigts ronds? Qui fait où la tête ronde? Qui fait les mondes ronds? Why? Pourquoi? Et là, il y a une petite chose qui ne peut pas comprendre. Regarde Dieu qui dit, Dieu qui dit. Sème tous ces morts, c'est pas mon équipe qui pour pousser, qui pas pour pousser. Mais qui fait, je ne désire pas ceux qui font les choses sont ronds. Donne-moi bien, l'univers, beaucoup, tout ma, presque toute ma planète qui vont scaler, mais on n'a pas de trop, pas de résidu, tout ma planète qui carré. Dieu a envie de passer un message de sa création. Il dit comme cela, il y a un commencement à toutes choses, il y a une finition à toutes choses. Mais c'est qui pour finir, pour recommencer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pour un jour, qui est pour terre? Oui. Là, pour une récréation encore. Vous connaissez ça, la Bible. Voici, Dieu crée un nouveau ciel, une nouvelle terre. C'est toute petite chose qui fait à cause de ça qu'il dit, Jésus, donne-moi bien, grâce aux oreilles. C'est que vous s'aimez pour écouter. Oui. Parce qu'il y a allé pour réunir. Dieu finit de dire ça. On ne se moque pas de Dieu. Oui. Dieu finit de dire. Qui fait la roue là, l'iron, parce que Dieu a envie de faire tout le monde comprendre. La terre là, c'est un cycle. Je vais prendre l'exemple. Il y en a l'air, un animal. Je suis tout d'accord avec ça, le cycle of life. Je vais vous montrer. Géographie. National Geographic. Quand un animal, il mange un herbe, le tabi mange. Il est content quand il est un autre plus gros, il mange. Un autre plus gros, il mange. Le tabi mange, jusqu'à finalement, il retourne l'eau, ça l'herbe là. Qui fait? Dieu a envie de passer un message. Qui tout quelque chose sur la terre, il y a un commencement, il y a une finition, mais il pourrait commencer. Donne-moi bien. La parole de l'Éternel. Éternel. Je vais mettre ça bien dans cette tête. Sa parole qui se fait trapper dans cette lame. Mais là, Dieu vient dire. Donne-moi bien qu'il me dit. Les ciels pour passer. Ça, la terre là pour passer. Mais ça vous reste éternel. Pour l'éternité. Quand moi, il y a quelque chose pour moi qui pourrait être l'éternité, je veux bien comprendre que quelque part, Dieu peut passer un message qui jette ton père à la surface de l'eau. T'oublier-lui. Combien de fois mon désir trouve ça? Combien de fois un démon, désir fait du bien pour un autre démon? Il fait du bien volontairement, oublier-lui. Beaucoup de fois, il arrive moi ça. Moi, faire du bien pour un démon, arrive un jour, bonjour monsieur, on dit oui, bonjour, ça va ou bien? Je me dis, oh oui, mon bien. Vous connaissez qui ça dans moi? Mon papa, t'es le démon. Je ne pas trop connu. Vous rappelez que tu fais ça connu? Hein? Tu fais ça connu? Une fois, la vie, tu témoins. Vous ne pouvez pas connaître. Enfin, dis bon, vous dites, vous pouvez faire des manches pour côté et chemin devant l'église là-bas. Je me dis, mon voisin, je fais signer le peuple sur mon fini. Quand on finit, je me dis, mon téléphone est garçon, je me dis, moi, mais qu'est-ce ça? Et mon père avec vous, qui avec vous, qui vous avez fait le. Et donc, oui, vous connaissez bien, vous avez dit moi, vous avez dit oui, vous venez, vous trouvez, vous êtes moi, vous faites tout ce qui est pour moi, vous avez dit moi, vous avez mais pourtant, il est là. Qui m'a fait votre Jésus? Je te dis pas la surface de l'eau. C'était toi. Avec les temps, il faut. C'est la loi de la nature par cette terre. La loi de la nature divine. Vous êtes d'accord? La terre est informée vide. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le Saint-Esprit mouvait au-dessus des yeux. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Qui Dieu fit faire? Dieu fit créer. Amen. Amen. Un jour, vous permettez, Dieu permet. Si mon cargo, ça, il m'a dit, c'est un jour. Qui est capable d'arriver? Qui est capable? Vous ne connaissez pas. Qui est capable d'arriver? Quand tout qui se finit récréer, qui est capable d'arriver? Et maintenant, ça, il ça. On doit être plus obligé. Allez, Francis. Dieu permet un souci. Dieu permet le cargo d'arriver. Qu'est-ce qu'on va dire? Pas découragé. Amen. Maintenant, vous expliquez une petite chose. Beaucoup d'entre nous nous découragent. Vous venez là pour expliquer ça. Vous portez une parole avec quelqu'un de bistro. L'oubliez-moi. Il n'a pas envie de trouver moi. Il n'a pas envie. Vous découragez. Tenez-moi bien. Découragement dans l'évangélisation, c'est un homme qui veut dire servir contre nous. Il dit moi, qui te peut perdre de l'état? Ça vient dans la tête. Pas fatigué, toi, il n'est pas pour écouter. Combien de monde avant il a causé, je suis tout d'accord avec moi, avant même toi causé gaspillage, qui s'en a dit où ça? Là-dedans. Qui te fait fatigué, toi? Il n'est pas pour écouter, lui. Qui fait? Et dans la cour de cela, mais la cour de ce licou, ce lipien comme ça, ce lamé comme ça, ce linge comme ça. Avant toi, aller, mais qui s'en a dit, toi, quand tu vois aller, il va se déguer, il va vous pousser. Mais il y a une crème, un découragement qu'ils ont dit,
personne ne va venir montrer nous comment nous surmonte ça découragement. Et j'aurais dit nous quoi, brinque-moi pour surmonter ça ma découragement. Vous êtes prêts? Première question, comment nous capables surmonter ça découragement là? Sa zone qui te est là, quand tu vous causes avec cette personne, c'est qui te fait attraper la vie éternelle. Amen. Mais qu'est-ce que vous avez fait de toi? Prends la parole, donne-lui la parole. L'écouter, pas écouter, laisse un travail là, faire dans sous la vie. Amen. Beaucoup de fois, t'aimes-moi bien, mon cas franc, mon portail ça, je vais te prendre de toi ce sujet là. Beaucoup de fois, c'est nous qui voulons convaincre du monde. Il n'est pas bon, comme ça, ça. Qui voulait qu'il va convaincre du monde? C'est le Saint-Esprit qui vous convainc. Dieu dit ce qu'il vous besoin de dire, et la désaffaire qu'il vous besoin de faire pour être la graine, nous prenons dans une sémence. Et la désaffaire qu'il vous besoin de faire pour être la graine, il pousser. Ok? Et dans ma quelqu'un qui est un expert au milieu de nous, je connais qui m'a pété. Vous prenez la graine, vous mettez dans la terre. Vous prenez, vous mettez dans la terre. Si vous prenez la graine, vous posez, vous aimez avec moi. Vous besoin de vous mettre dans la terre. Et déjà, vous arrosez. Amen. Arroser, c'est la prière. Quand on finit de causer quelqu'un, retourne à la case, arrosez, que la personne vous priez pas. Tout ça, en parole qui me presse sur la vie là, il est capable à l'existence. Amen. Je comprends moi là? Amen. J'ai pas découragé. Maintenant, moi j'ai pas découragé. Allez, ok. Allez, à partir de là, pas j'ai dit parce que vous connaissez, vous vous concentrez. Allez, vous concentrez. J'ai pas découragé. Allez, ok. Allez, on y va. Maintenant, tonne-moi bien. La zone qui nous est là prend la parole et descend de sur les caisses. Ça même tout. Bon, pour expliquer ce qui fait un découragement du capable de jouer contre nous, parce qu'il me trouve beaucoup de magiciens qui ont un bon talent. L'eau s'adou maintenant. Je t'amène des dimons, de voir dimons, car dimons, je te décourage, je ne pas fini. Les là, nous, bizarre, venir nous connaître, détecter par le Saint-Esprit, nous allons dire c'est où don ça sert, c'est où talent ça fait, où vous avez fait, les allez répondre à la vie. Mais à moitié, je vous dis, il faut dépendre pour pomper, je vous dis. Je vous dis la parole de bien comprendre que pas des quoi n'importe qui circonstance toi aller. Le pharaon nous un frère dans l'hôpital fait porter sa parole. Dimouna prend, Dimouna pas prend. Bien de la parole là. Amen. Il a accepté, pas accepté, fait un travail là. Vous êtes sémence, vous êtes sémence. Maintenant qui fait pas décourager pour nous donner un témoignage, ok, qui t'est arrivé réel et ça pour les autres qui quelque part aucune parole pas d'homme le salarié là. Mon parle du monde spirituel sans y faire ce l'effet. Le livre d'Ésaïe 55, verset 11, dit à vos paroles, pas pour retourner vers moi sans y faire ce l'effet. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Une fois, tu n'es pas tu fais prier pour ce des garçons. Ce man garçon, c'est man enfant qui parcourent le Seigneur. Il prier, il cause avec eux, il fait tout ce qu'il est capable de faire ce man enfant, jamais il vit le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a des petites choses qui vont vous dire toi. Aucun la prière qu'il vous faire, il part en vain. Amen. Et que l'assurance pour venir parce que pourquoi? Et là, quelqu'un qui visite les ciels, il trouve qu'il y a un gros vase, il est dans man la salle. Et ça, man vase, il est rempli de prières. Et il vit biblique, ça. Nous, il trouve que tu es un vase rempli de prières des saints de livre d'Apocalypse. Qui arrivait cinq fois te prier, il dit rempli. Et nous appelons ça que Dieu, il souvenir qui te vit prier. Et il y en a beaucoup de fois parmi eux, vous causez, vous êtes capable de comprendre. Beaucoup parmi eux, je sème dans la prière avec ma norme. Et le livre de Matthieu, chapitre 5, il est à ceux qui sèment avec l'homme, ils pourraient récolter avec chant d'allégresse. Parce que pourquoi Dieu dit garder? Arrivez à vous prendre un exemple. Vous prendre un exemple. Ou dans une situation financière, vous faites prier un petit moment, vous coupez sur compte la banque. T'as eu un point de million, tu sortis ça. Pas connaître que tu sortis, pas connaître que tu sèmes béni. Vous trouvez tel dimoun, vous tenez un grand-père qui jamais vous trouvez, ni tel héritage venir. Parce que pourquoi? Mettons la prière, papa. Amen. Ça, nous des envies, d'être fois une sœur qui vient, longtemps, bien longtemps, tu fais comment dans le ministère. Les vient avec moi, elle demande, ma frère, vous êtes une situation vraiment difficile, vous êtes endetté. Et un problème bien grave, nous prier pour cette sœur. Vous connaissez qu'il y avait une tantine sur la France, une Angleterre, vini, il a accueilli la tantine là. Tous les jours, tantine qui me fait, mais trouve ça là, Sophie Gatrice. Elle dit, qui est au problème? Qui n'arrive toi? Il dit, moi, j'ai une dette de 300 000 roupies à l'époque, c'est beaucoup ça. Il y a environ 1,5 aujourd'hui. Il dit, moi, j'ai une dette, vous connaissez, tantine est grille de ce figuette à Piti, qui te gagne. Tantine est là-bas, puis tout se dit. Amen. Bon, puis bien sûr. Amen. C'est ma réalité. Moi, je vis dans cette réalité. Moi, je vis, je trouve l'armée, mon Dieu, j'ai jamais ni né. Amen. J'ai jamais ni né, mon à la clinique, qui gagne parce qu'on est mon bébé, Dieu. Comment se fait-il, ou bien prier quoi? Amen. Là-dedans. Je n'ai pas découragé. Maintenant, tout la prière, tout ce que vous pouvez prier, il est là-bas, là. Parce que vous pouvez prier de tous les guerres.
de se lire de ce moment, Dieu connaît qu'il est pour rien. Amen. Maintenant, sa papa là, qui priait, arrive à un certain moment, il décédait. Souvent, les enfants, pas fin compte le Seigneur. Et je connais à ce grand surprise, il fait obliger d'aller aller. Et je connais à ce plus grand surprise, je connais qu'à la même. Dans sa zoo, qu'il peut faire son enterrement, parce qu'il avait prêché, ce dégât, son minute, ce dégât, Jésus-Christ. Parce qu'il dit, les deux, par contre, qui peut passer. Pas découragé. Et tout comme on dit, pas découragé. On va continuer? Amen. 5 minutes. Maintenant, chaque parole qui, quelque part, arrivée dans la vie, premier style qui nous a découragé, c'est qu'on porte à sa parole, dit, on n'a pas écouté. Pas prendre compte. Moi, je trouve ça simple. Ou alors, ben, dis-moi, vous donnez la parole, te connais Jésus-Christ contre toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Certains qui, ceux qui croient en lui ne périssent pas. Fait, dit malade par les maîtrisures de Jésus-Christ, prends sa parole là, je ne dépose ça dans ce liquide. Retourne à casse, priez pour lui. Mon petit Jésus, avec conviction, parce que sa parole là, elle est éternelle. Et Dieu vient dire, vos paroles, dit un morceau qui brise un roc. Vos paroles, il va pas retourner à moi sans faire ce l'effet. Sa parole là, quand on dépose ça dans l'équerre, pour arriver ce jour. Qu'il est pour à l'existence. Amen. Amen. De la même, quand je vais faire évangélisation, je vous trouvez, il y a des gens pour décourager. Je vais prendre un exemple. Qui dit que quand peut évangéliser, peut prévenir pour ça la prochaine fois que vous allez démontrer la porte. Passez là-dedans. Mais ça ne va pas décourager, mon courageux. Aiguise, reprends la force, on dit. Ma serviteur, servante du Seigneur. Reprends et dis que ferme à qui tu veux parce qu'il est important de vivre dans sa dernière temps. Là. Amen. Je vous fais aller. Amen. Et la deuxième façon qui nous décourageait, nous voyons un petit peu franc. La deuxième façon qui nous décourageait, c'est qui? L'Isère. Moi, les, moi, même dis mon âme, mon cousin, mon fait tout le travail, mon fini, fait quand on peut dire, maintenant, l'église, non, on ne parle de l'église. On ne parle pas de l'église. Bon, il y a l'église un petit peu plus près, mon père, là-bas. Mais qui nous peut bien faire? Bon, car cause une petite vérité en cause aujourd'hui. L'Isère. Je peux expliquer. Et nous vous terminons cela. Et là, quelque chose qu'une fois, nous t'avons rendu visite, que d'un week-end, donne-moi bien. C'est une vérité. À cause de ça, quand nous filmons, ça, c'est pas ceux qui nous vivent, nous filmons qui là-bas. Nous filmons que la sœur, ce Michel, est un alcoolique. Nous causons lui, nous expliquons lui, nous donnons un témoignage, nous prions pour lui. Ok, arrivé à un certain moment, nous disons, moi, vous venez de l'église. Et d'un moment, oui, vous venez, tel jour, vous venez de l'église. Si elle arrête tout de ce travail, quand c'est là avec de ce travail, il peut dire quoi, il a ma quiquette, il vient de prier, nous sentir, nous bien. Tu connais maintenant qu'il fait. Pourquoi il a discret dans ce travail? Maintenant, il dit, vrai, maintenant, il vient, tu as besoin d'une église, écoute-moi. Tu as besoin d'une église, écoute-moi. Tu écoutes moi, là-bas, pas bon, ici, bon. Tu viens, écoute-moi. Viens ici, viens là-bas, bon. Dernier, là, vous écoutez, c'est là, il est actuellement, il est sur la case. Moi, je dis, clair, au nom de Jésus-Christ, avec la foi de conviction, cette église, pas pire, nous pas pour pire, vous dis, même si un homme parmi nous a fait mon Dieu, pas vous être ici. Mais je vais faire travail, mon Dieu. Je ne peux pas bâtir une l'église. Je peux bâtir un royaume qui appelle le royaume de Dieu vivant. Je ne peux pas faire vous dire. Mais seulement, donne-moi bien, ou pas capable de prendre un dimon, ou en consciemment mettre dans une place que tu vas venir. Ça limite dans un. Mais seulement, pour vivre ou faire le travail. On allait ou puis on amène dans l'église parce que vous connaissez comment l'église était, dans quelle façon il était, dans quelle façon il gérait. Ou puis on vient amener là pour les grandir. Mais si arrivé, il n'y a pas fait votre aller, qui nous fait? Nous décourager. Non. Ça finit arrivé dans le passé, beaucoup décourager. Mais quand je décourage, là, je n'ai pas votre référence encore. Maintenant, ça dit mon âme même pas décourager. Parce qu'il fait le clap est votre risque. Pour amener dans l'église. Et qui fait pour amener dans l'église? Pour faire beaucoup. Nous avons une perception de cette église, je vous dis. Mon papa vous dire et nous vous dire, il vous remplit au nom de Jésus-Christ. Il vous déborde, il vous dans l'église. Il vous remplit, il vous aller, il vous remplit parce qu'il peut faire volonté. Mon Dieu, papa, parce qu'il nous connaît quand nous pouvons aller, nous finir la vision, Dieu vient nous montrer nous quand nous pouvons aller et nous faire aller. Mais c'est mon envie en saint jeu. Il y a beaucoup de monde, père vous dire, nous pas pour père vous dire. Sauf un homme pour le royaume. Amen. Le royaume. Il est important ça. Je vais prendre l'exemple d'une sœur Benzam qui ne reste pas à Goodlands pour payer un transport pour venir. Pas faire. Tu as déjà eu un temps à l'autre, tu es capable de venir tout toi, mais ni te faire l'idée. Ok, pas de problème, du pas de problème. Mais je vais prendre l'exemple si un jour, un dimanche, nous donner la parole d'une des ans ou un ça. Livina Maurice, une fini baptise, lui, il vient être au père d'Angleterre. Qui pour faire?
Mais là, beaucoup d'entre nous, nous disons, nous attendons, nous nous armons, nous prenons tout ça des temps là. Et pas facile, ça nous quitte Maurice, il n'y a pas. Aïe, tu me dans l'église comme moi. Jamais on pense comme ça. Parce que quand on peut amener vers Jésus-Christ, on peut gagner une bénédiction parce qu'il, donne-moi bien, parce qu'il peut bâtir le royaume. Amen. C'est à moi? Amen. Amen. Maintenant, donne-moi mon pour dire, il y a une balance. Il y a une balance. Pour cause de sa balance, ça ne peut pas créer confusion. Ok? La balance est, si un démon ne peut pas en vie même venir, il est là pour l'ordre, il est évangé, pour venir bien. Mais il est important d'apporter un quelqu'un, pour des causes en général, il n'est pas cause pour cette église. Amen. Une cause en général. Parce qu'il y a une petite chose qui est importante qu'on peut amener dans l'église, pour qu'on ait, quand l'église a été, qui il peut faire, comment il peut enseigner, comment il peut guider, il est là pour trouver qui est capable de dérouter cette personne pour permettre qu'il ait la bonne place. Il est là où vous avez réfléchi des fois. Vous avez compris moi là? Et il y a une balance là-dedans. Là. Ok? La Bible ne parle pas de l'extrémité. Nous mettons une balance pour nous comprendre. Ok? Il est important de savoir qu'un âme pour mon Dieu est une petite chose. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple, on est dans l'hôpital, il est simple, pour prendre l'exemple, là, simple, poussé par le Saint-Esprit, on peut trouver l'île, moi. On est dans l'hôpital, il y a des gens qui sont des noms, une mini. On peut porter sa parole, on dit, on peut dire comme ça, mais Jésus-Christ, vous parlez l'église, oui, vous parlez l'église. Et dans l'église, il y a quand même des noms, on est capable. On est qui on dit, yo, bon Dieu, on va parler, moi, Seigneur, moi, je vais opérer des gens, même, pour pas mettre une relax. L'importance du travail que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire pour mon Dieu. Amen. Bâtir le royaume. Dieu bâtir le royaume. À cette maximum du monde, il n'y a pas de courage. Amen. Nous terminons. Deux petites choses qui jamais vous faire dans la vie. Jamais vous suivez un homme et jamais vous suivez une église. Comprends-moi bien ce que vous dire là. Amen. Mais seulement suivre une église, donne-moi bien. Moi, des autres m'ont dit, vous pouvez prendre un exemple, vous prendre un exemple pour qu'elle comprenne bien et qu'un esprit qui est ouvert, think outside the box. Moi, j'ai trouvé un démon qui est prêt là, donne-moi bien. Moi, j'ai dit, hey, il y a quelque chose qui n'est pas normal là, maintenant, beaucoup aussi franc. Maintenant, je vais dépouiller cette personne, je vais dépouiller, je vais tout ce qu'elle s'en est. Tu as besoin de ça. Il est bien libre là-bas, il explique lui-même, papa. Mais j'ai dit, non. Donne bien mon nez dans sa église, mon bout dans sa église. Et là, tu me dis ça. Amen. Pas comme ça, ça. À l'église qui challenge de la foi, qui challenge de sincérité avec mon Dieu, qui challenge de sainteté avec mon Dieu tous les jours. Amen. Quand vous pouvez dans l'église. Hein. Parce que c'est ça, Manza fait là qui permet de travailler ici. Amen. C'est la même. On va prendre un autre exemple. Un dimanche assisé dans l'église. Il est assisé. Pardonne-moi, quand il fait ma bébé dans mon lantier, il parle le thème du message. Et en tout cas, des démagogies vont dérouler. Tout pas là, tout ici, tout là-bas. Non, frère. Moi, fais santé dans l'église. Moi, pas pour capable de quitter. S'il fallait des mots là-bas, mais pas pour quitter ça. Vous connaissez que ça a mis le monde, vous voulez? Sur le micro. Amen. Sur le ministère, mis le monde, vous voulez? Faire beaucoup attention à ce que ça va faire. Amen. La paix prend carré le monde. Amen. Amen. Maintenant, on termine sur cela aujourd'hui, peuple de Dieu. Parlez pour assez. Nous travaillons, nous disons, allez, porte, ou prêche parole, nous disons, porte, frère, on connaît mon malade, mais c'est mon Maurice Lido, on parlait, allez, donne-lui la parole, porte, allez, brillez pour lui dans même l'équerre. Vous êtes la même? Amen. Le royaume qui vous besoin de bénir. Amen. Amen. À ce moment, il crée un véritable problème, un démon, il reste qui a Bible, nous, on est trop loin, moi, je pas. Là, moi, je une fin de livre ensemble. Vous êtes la même? Amen. Petit Dieu. Amen. Vous êtes fait ciel et ciel, moi. Amen. Voilà, nous terminons aujourd'hui. Nous terminons nos 10 chapitres de Guiding Lines. Maintenant, nous pourrons dire maintenant ma petite question, nous pourrons répondre. Mais envie de participer ensemble avec moi. L'autre question là, nous terminons. Vous êtes participé. Oui. Get maximum de mon assez mourir l'autre. Get maximum de ne pas décourager. Maximum, demandez hier vos droits. Amen. Nous terminons.
Le royaume de Dieu, c'est un qui se cherche d'abord le royaume de Dieu. Amen. Et Dieu qui se qui te brûle de vous au-delà de tout ce monde. Amen. Si elle dit qu'elle n'a pas fait connaître dans un moment pareil, qui peut vous faire, je suis capable toujours d'approcher de ma serviteur de Dieu, de vous garder dans un conseil spécifique de ma question qui est capable de faire. Vous êtes amen? Première question. Question pour changer. Allez, on y va. Est-ce qu'il te fin déjà découragé, il te porte dans sa parole avec une personne, mais il n'est pas fin vivre au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà senti ça? Ok? Vous êtes pas connaître, mais pour moi, beaucoup fort. Amen. Des autres causes avec lui, il y a des fois aussi par son religion, il y a des fois que tu manques certaines petites choses. Mais on pose des questions, on vous dit, est-ce qu'ils ont bien découragé? Non. Il faut aller par découragé. Maintenant, donne-moi bien, qui fait pas besoin de décourager? Donne-moi réponse, hein. Qui fait pas besoin de décourager? Parce que la parole qui vous fait dire Lili est éternelle. Amen. Comment on prononce la parole sur la vie finérante de celui qui est libre et éternel? Amen. Deuxième. Si un jour arrivé, si un démon vient pas écoute toi, qui te fait? Allez, dis-moi qui est dans la salle. Si un démon vient pas écoute toi, qui te fait? Allez, viens, on y va. Dis Jésus content, dis. Après. Priez pour lui. Mais tu dis des affaires importantes. Sème la parole et puis. Priez pour lui. Amen. Ce jour pour venir, que d'un jour, il pour recevoir. Il pour se liser pour vers. Là, il pour rappel de sa parole qui nous dit là. On est entre un ancien longtemps. Je ne finis dire ma parole. Quand quelqu'un a fini une cône de Seigneur, c'est qu'il enseigne d'y aller près 25 ans, 30 ans de cela. Ça ne revient à l'existence parce que c'est ma sémence qui s'est mise. Amen. Et vous êtes l'information, ma dîme qui tordait pour venir que ma vie chrétien. Amen. Solide, faux. Amen. Quand on arrive là. Troisième question. Qui te fait si tu trouves un autre démon? Soit toi-même, tu te portes à la parole, mais l'Ipam finit vite dans toute l'église. Le souligner dans toute l'église. Qui te fait? Est-ce qu'il te décourage? Non. Est-ce qu'il te bon courage à l'autre église? Balance! Je trouve que tu devais dire oui à tout le monde et dire non. Un oui, non, et tu m'as fait, moi tu m'as fait. Et oui! Ne te dis pas balance. Balance. Je vais mettre ça là-bas, me souligner, me servir sur cela. Pourquoi une balance? J'ai besoin d'une de notre intelligence. Il reste loin, bien loin, il n'est pas capable, il peine en finance, il peine en moyen de transport. Il est là, vous capable de prier pour lui relâcher. À ce moment-là, il y a deux fois, il y a un qui n'est pas fini d'appeler ici, fini d'appeler là-bas. Tout ça là, il y aura. C'est-à-dire le Saint-Esprit pour convaincre de l'équerre. Amen. Amen. Le Saint-Esprit pour convaincre que c'est ça, il y a là qui pour faire. La plupart des fois, dans ma tâche, beaucoup de fois, nous disons, allez nous prier, nous ressentir, laissez l'homme être tranquille. Dieu connaît qui pour faire. Beaucoup de fois, il dit non, on va vous laisser aller. Le Saint-Esprit dit toc, amen. Pas laisser aller là. Il reste 4 bons, nous ne connaissons pas, frère, il reste 4 bons, on est trop loin pour venir. 4 bons, hein. Écoute ça, Wesley. Là, quoi de colline, quand de cela. Nous pouvons nous faire un transport oui, pourquoi frère? Oui. Définitivement. Et sûrement oui. Vous êtes amen? Allez, on se met debout. Nous disons merci.